Bonjour, ici Rachel, c'est la Saint-Émar. Bélier, vous aurez de la confiance en vous et de l'assurance pour soutenir toutes vos actions. Taureau, jour de succès professionnel, vous pourrez compter sur quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un de fiable et qui n'abandonnera pas à l'heure de la difficulté. Gémeaux, veillez à garder le contrôle et établissez autour de vous et de vos activités un périmètre de sécurité qui ne permettra à personne de vous décevoir ni de vous tromper. Cancer, l'homme passe continuellement par des alternances de déstructuration et de restructuration comme la nuit et le jour. Prenez le temps qu'il vous faut pour peser le pour et le contre calmement. Lion, changement de perspective. Les autres ne voient pas les choses du même œil que vous, mais vous allez persévérer. Vierge, signe fort du jour, nous avons tous reçu en partage des dimensions positives et des dimensions négatives, et c'est à nous de choisir au milieu de cela ce qui nous permet de nous développer. Balance, vous choisirez la vie avec confiance, vous ne céderez pas aux sentiments de manque, d'épuisement ou d'impuissance, les bonnes forces renaissent en nous continuellement. Scorpion, si une tendance négative vous contrarie, n'allez pas vous lancer dans une fuite éperdue à la recherche de paradis illusoires, vous ne résoudrez rien ainsi. Sagittaire, ne doutez pas, vous descendriez vers la médiocrité, ayez confiance au lieu de désespérer. Capricorne, vous réussirez à vous stabiliser, vous récolter des fruits, vous ne suivrez pas les mauvais conseils. Verseau, signe amoureux du jour, il faut savoir s'adapter. Ne vous confiez pas sur vos choix amoureux. On pourrait se coaliser, s'agiter, comploter contre vous, mais on ne pourra rien. Poisson, les décisions cohérentes seront entre vos mains. Vous travaillerez et prendrez des notes. Ici Rachel, un beau jour commence. Nous devons arrêter par nous-mêmes et par un travail volontaire toute agitation négative de notre cerveau.